Je suis Delphine Plisson, je suis ravie de vous accueillir à la maison, à Paris, dans le Marais. Bienvenue. Notre maison, c'est un appartement sur plusieurs étages, avec beaucoup d'enfants, pas mal d'animaux, beaucoup de bordel donc, pas mal de bouquins et de quoi cuisiner et picoler allègrement. Dans les objets que j'aime beaucoup, alors j'adore les bouquins et les photos, et en l'occurrence en particulier l'œuvre d'Emmanuelle Bernheim, qui est une autrice contemporaine française, qui a fait peu de livres et pas très gros, mais qui sont tous extrêmement beaux et touchants, et on s'en souvient longtemps après. Alors mon style, si tant est que j'en ai un, je dirais qu'il est avant tout fluide. Je déteste les matières raides, j'ai besoin de pouvoir être libre de mes mouvements, j'ai besoin de me sentir confortable, donc j'adore la maille en l'occurrence, j'adore la soie, j'adore les matières naturelles et j'aime beaucoup tout ce qui précisément m'accompagne et non pas l'inverse. J'ai eu un coup de cœur en premier lieu pour Charlotte, son énergie, sa passion et puis bien sûr par extension pour sa maison. Je trouve son travail exemplaire. Il me semble que ça doit être ça le luxe, faire des très beaux produits très simples. Chez Linéa Lund, moi j'ai une obsession pour les foulards, les carrés que j'ai dans différentes matières et que j'ai toujours sur moi, été comme hiver. Mes couleurs préférées, c'est les couleurs franches. Je porte beaucoup de bleu nuit, c'est vraiment ma couleur. Je suis moins à l'aise avec les pastels parce que tout simplement ça me va moins au teint et puis c'est moins mon truc. Mais il y a tellement de choix de toute façon que franchement ça me paraît ambitieux de ne pas trouver son bonheur. Si on me dissuade, je pense aux sabots. Je trouve les sabots peints chez Linéa Lund qui sont super jolis et que tout le monde s'est arraché depuis quelques mois. Donc je pense que ça fait vraiment partie du lien entre Linéa Lund, la Suède, la France et notre quotidien. Ouais.